bonsoir. Donc ce soir nous sommes à Caissac là, donc avec Brigitte Allain, donc qui fait un compte rendu de sa mission parlementaire. Je voudrais savoir si vous êtes de Caissac et pourquoi vous êtes là ce soir. Alors non, j'habite à Bergerac. J'ai rencontré Madame Allain déjà plusieurs fois. Et je suis venue à la Réunion parce que je trouve très intéressant de la rencontrer, d'échanger des idées, qu'elle est très proche donc de la population et de ses objectifs et de ses projets éventuels. Donc Madame Allain nous a fait le plaisir de nous inviter à cette réunion. Je pense que c'est très intéressant pour tout le monde d'exprimer donc des souhaits, puisque nous sommes tous dans le même bateau. Hein. Moi, personnellement, je suis venue pour m'exprimer sur une possibilité d'introduire l'alimentation biologique dans les écoles. Donc, il y a eu un échange d'idées qui était très intéressante et justement très concrète. De passer d'un projet à la concrétisation d'un projet, il y a tout un travail et Madame Allain nous a bien recadré. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un mandat électif sur Bergerac, puisque vous êtes à Bergerac ? Ah non, pas du tout. Moi, je suis présidente d'une association culturelle et donc je suis impliquée dans la vie associative à Bergerac. Merci beaucoup. Oui, donc bonsoir monsieur. Voilà, je voulais savoir si vous êtes de Caissac et pourquoi vous êtes venu finalement assister à cette réunion publique organisée par Brigitte Allain. Oui, donc je ne suis pas de Caissac, je suis de la commune d'à côté, Morens, et je suis venu tout simplement parce que je trouve l'initiative de la députée correspond bien aux valeurs que je défends, de démocratie participative, d'échange, enfin d'information sur le travail législatif, mais aussi d'écoute des problématiques du terrain telles qu'elle expose. D'accord. Et est-ce que dans la commune à côté où vous résidez, est-ce que vous avez un mandat électif ? Alors, je n'ai pas de mandat électif au sens mandat local d'élu. Bon, je suis un responsable associatif au niveau départemental, par contre. Et donc, je m'intéresse effectivement aux questions de citoyenneté active en particulier. Alors là, on ne peut pas dire que ce soit franchement encore de la démocratie participative, mais c'est plutôt peut-être juste un échange d'informations. Il faudrait peut-être aller un peu plus loin pour que ça soit vraiment de la démocratie participative. Oui, bien sûr, mais la démarche de rendre compte de son mandat, y compris en venant sur le terrain, dans des petites communes, comme c'est le cas de Caissac ou de la commune où j'habite, me semble effectivement être un souci d'exercer son mandat électif, la démarche me semble être à la fois originale, effectivement ne pas être que réservé aux rencontres entre élus, hein, puisqu'on peut penser qu'effectivement un parlementaire a l'occasion de rencontrer des élus dans d'autres cadres et tout ça, mais là il y a vraiment bon, une invitation ouverte, donc je suis venu vraiment sans arrière-pensée, mais pour adhérer à cette idée. Voilà. Et vous n'avez pas posé de questions, vous n'aviez pas quelque chose de particulier à poser comme question ? Si, j'avais deux questions, le débat et le temps ne l'a pas permis. Alors je ne sais pas si du coup je les évoque, mais effectivement, dans le travail parlementaire, il y avait une problématique que je souhaitais soulever, c'est celle qui a été très rapidement évoquée autour de la loi de la refondation de l'école et tout le travail autour des projets éducatifs de territoire. Et comment on a beaucoup parlé de cette loi au moment où elle a été votée, et comment, de mon point de vue, elle est actuellement un peu moins... un peu moins traité, un peu moins accompagné par les pouvoirs publics, alors que la problématique se pose en plein sur le territoire. Voilà. Et puis il y a une deuxième perspective autour de la loi de l'économie sociale et solidaire, où très clairement il y a un travail législatif à faire qui consiste à réfléchir à la question de la définition de l'économie sociale et solidaire, le projet tel qu'il a été adopté au Sénat ne satisfaisant pas des associations comme la nôtre. Quelle est votre association, si je peux me permettre ? Oui, bien sûr. Alors, je suis le secrétaire général de la Ligue de l'enseignement. Finalement, j'ai compté 14 personnes, ça fait pas beaucoup. Non, oui, je crois que c'est le travail de fourmi, c'est la limite de l'exercice proposé par la députée. J'ai envie de dire que c'est intéressant pour les 14 qui... Enfin, du moment que c'est pertinent pour les 14 qui sont là et que la députée a les moyens de disponibilité d'offrir ce temps à ces personnes-là, ma foi, ça a le mérite d'exister, même si on peut penser qu'effectivement, pour que ça ait un réel impact, pour que ça traduise effectivement un vrai échange et tout ça, il faudrait évidemment plus de participants. Et plus de temps. Je vous remercie beaucoup.
Bonsoir Brigitte Alain. Bonsoir. Vous êtes venue là donc faire un peu le bilan de votre travail parlementaire. Alors je voulais vous demander déjà pourquoi Quessac ? Alors pourquoi Quessac ? Ben, je fais ça tous les 15 jours sur la circonscription. Donc j'ai déjà fait ce genre de réunion à plusieurs endroits. Hein. J'en ai fait au Buisson, j'en ai fait... je vais en faire une à Issy-Jacques d'ici une quinzaine de jours. J'en ai fait dans plusieurs endroits, à Port-Sainte-Foy. L'idée, c'est de venir à la rencontre de mes concitoyens, donc dans des réunions publiques, donc sur tout le territoire. Et donc ça, un rythme d'une réunion à peu près toutes les deux semaines, donc en gros deux réunions par mois. J'ai commencé depuis le mois de septembre. Et je trouve que c'est très intéressant. Est-ce que vous pourriez donc justement, en quelques phrases, même s'il y a beaucoup à dire, donc faire un peu le bilan de cette rentrée parlementaire depuis le mois de septembre par exemple? Alors une rentrée parlementaire depuis le mois de septembre, je n'aurais peut-être pas le temps, mais en tous les cas, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup travaillé sur le projet de loi accès au logement, urbanisme rénové, donc sur moi les questions d'urbanisme et notamment pour la préservation des terres et des terres agricoles, donc ce qui ouvrait aussi les grosses discussions autour de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, donc loi qui veut promouvoir l'agroécologie et dans laquelle j'ai proposé des contrats alimentaires territoriaux. Parce que sur ce territoire, j'ai constaté qu'un grand nombre de collectivités locales souhaitent pouvoir favoriser une agriculture locale pour une consommation locale et en particulier pour les collectivités locales. Donc c'est quelque chose qui correspond à un besoin du territoire et donc que j'ai pu traduire dans un texte de loi, par exemple. D'accord. Alors, c'est vrai que cette loi, malgré tout, quand on la regarde d'un peu près, elle va quand même pas très très loin. Nous, on a rencontré, par exemple, Envie de Paysan, hein, donc qui mène la campagne. C'est la Confédération paysanne hein, qui mène cette campagne-là et qui aurait voulu que dans cette loi-là et dans l'application de la PAC, hein, qui a été votée au niveau Europe et qui se retraduit en France, que ça aille beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est député à ce niveau-là, puisque ça semble un peu, parfois un peu juste par rapport peut-être à des demandes, par rapport à une vraie agroécologie. Alors, par rapport à l'agroécologie, je pense déjà que c'est un texte qui en affiche fortement l'ambition et qui donne les moyens, notamment par les groupements d'intérêts écologiques et environnementaux. Cette loi donne aussi un statut. Une définition du statut de l'agriculteur donne énormément d'évolution par rapport à l'accès au foncier et aussi pour l'installation des jeunes. Je crois que c'est extrêmement important, une loi qui favorise enfin l'installation des jeunes. Et pour avoir travaillé aussi avec ces organisations, pas seulement, j'ai rencontré un nombre important d'organisations et sur le terrain et à Paris, je crois que quand même, beaucoup reconnaissent qu'il y a des acquis importants par rapport à l'agroécologie, qu'il y a encore beaucoup à faire, mais il nous reste encore, je dirais, quelques mois pour faire avancer le texte. Il va être en débat au Sénat et puis en deuxième lecture au mois de juin. Donc je crois que nous pourrons encore avancer sur ce texte. Et puis après, il y a aussi, par exemple, la loi sur l'artisanat et le commerce qui démarre ces temps-ci à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est aussi un texte qui va intéresser de près nos concitoyens sur le territoire puisqu'elle vise à améliorer les conditions pour les artisans et aussi pour passer du statut d'auto-entrepreneur vers le statut d'artisan et favoriser un passage de ces deux statuts de manière harmonieuse. Qu'on arrête d'avoir des artisans qui sont contre des auto-entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs contre des artisans. Je crois que ce n'est pas sain pour le territoire, pour le nôtre et pour tout le territoire français. Donc je pense que c'est important de revoir ce texte de loi, par exemple.
Ah, si on revient un tout petit peu en arrière, j'ai quand même on avait un peu l'impression quand même que cette loi, même s'il y a eu des avancées, n'empêche en rien l'agriculture industrielle et notamment un certain financement qui fait que ce sont les plus gros qui ont les plus grosses primes et que il y a quand même cette dimension-là et que par exemple une ferme comme la ferme des 1000 vaches, même si elle a été abandonnée, mais encore a-t-il fallu que des gens s'enchaînent et pas complètement, peut encore être possible. Alors, effectivement, de ce point de vue, c'est une réalité. Par contre, au niveau de l'Europe, au niveau de la politique agricole européenne, sur le fond, rien n'a changé. Qu'on soit très clair, sur le fond, il aurait fallu remettre à plat complètement la politique agricole européenne, ce que ne voulait pas la majorité des représentants à l'Europe, qui sont donc le Conseil des ministres et les commissaires. Mais avant tout, les conseils des ministres, donc qu'on soit très clair, au niveau européen aujourd'hui, majoritairement, ce sont quand même des libéraux qui sont au pouvoir et qui donc ont la majorité au niveau de cette Europe actuelle. Mais qu'on soit clair, il aurait fallu rebattre complètement les cartes. Je vois des évolutions intéressantes, par exemple le fait que les 50 premiers hectares pourront être surprimés. Ça, c'est quelque chose qui a été apporté par le gouvernement français, défendu par le gouvernement français, et la loi d'avenir agricole le met en place aujourd'hui et met les conditions pour le mettre en place, permettra par exemple au GAEC, où il y a 3 ou 4 associés, d'avoir cette transparence des associés pour pouvoir leur permettre d'avoir les aides comme s'ils étaient des agriculteurs individuels. Donc je crois qu'il y a des évolutions. On peut encore gagner des choses. C'est ce que je ferai. J'espère gagner encore quelques amendements, et puis au-delà des amendements, c'est les rencontres qu'on a avec le ministre pour pouvoir changer les choses et les faire évoluer. Et il y a un sujet qui reste en marge, par exemple, de la loi d'avenir agricole pour l'instant. C'est par exemple la question des semences, des droits de ressemer ses propres semences. Aujourd'hui seront débattues cette semaine donc dans la loi sur les contrefaçons, il y aura un amendement présenté par le gouvernement pour dire que cette loi ne concerne pas les semences. C'est une avancée puisque au Sénat il y avait eu un échec. Donc c'est bien parce qu'à un moment donné des citoyens disent jusqu'où ils sont attachés à une évolution, que des parlementaires peuvent reprendre des idées et les transformer en texte de loi. Alors une question peut-être un peu plus polémique. Vous avez donc pas, j'ai entendu donc le mot de libéral là dans votre discours. Qu'est-ce que vous pensez donc du pacte de compétitivité là qui vient d'être annoncé, n'est-ce pas, par le gouvernement et qui quelque part quand même, c'était peut-être pas forcément pourquoi les gens qui avaient voté sur ce gouvernement et auquel vous êtes alliés, s'attendaient. Alors ce pacte de compétitivité, pour l'instant il y a des mots. Et puis il y a des conférences sociales, conférences fiscales au niveau des entreprises, mais aussi conférences fiscales au niveau des familles. Donc ils vont amener après à la traduction de cette volonté du président de la République dans des textes. Pour l'instant, qui dit conférence, donc au niveau national, dit que les différents partenaires sociaux sont rencontrés pour essayer d'élaborer quelque chose qui satisfasse le plus de représentants possible. Et donc, moi j'attends le résultat de ces conférences sociales et fiscales, les propositions qui en sortiront. À ce moment-là, nous en ferons l'analyse avec mon groupe parlementaire pour voir si nous votons ces mesures ou si nous ne les votons pas. C'est assez clair, le CICE tel qu'il avait été décidé, un petit peu à l'arraché comme ça et à la va-vite, sans une grande consultation, je ne l'ai pas voté. Mais après, à l'Assemblée nationale, une fois qu'il y a un vote, ou au Sénat, c'est la majorité qui l'emporte.
Je voulais, vous avez aussi là parlé des... vous parliez à un moment que vous faisiez partie aussi de la commission à l'Europe au niveau donc de la lutte contre les discriminations. J'avais une question. Est-ce que ça englobe le problème de l'immigration en Europe? Absolument. Oui, oui, les questions de l'immigration, les questions égalité hommes-femmes, les questions, bien sûr, égalité des personnes, quel que soit le milieu dans lequel elles sont nées, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion. Et au niveau européen, ce sont des sujets extrêmement sensibles parce que le Conseil de l'Europe, qui n'est pas l'Union européenne, le Conseil de l'Europe traite essentiellement des questions des droits humains. Je préfère parler d'ailleurs des droits humains que des droits de l'homme, parce que même si notre langue française l'a voulu ainsi, on peut peut-être la faire évoluer aussi. Donc ces questions-là sont quelquefois très sensibles parce que, ben, vous le savez, on n'est pas dans le meilleur des mondes en Europe, et donc il y a souvent des frictions importantes. Et lors du sujet, la semaine dernière, du débat concernant la question, les problèmes en Syrie, des appels importants ont été lancés au niveau des pays européens pour dire on laisse les pays voisins absorber les réfugiés. Et des pays comme la France d'ailleurs ne remplissent pas le pacte. Il ne suffit pas de donner de l'argent, et même cet argent n'est pas donné, mais il ne suffit pas de donner de l'argent. Il y a une situation en Syrie qui fait qu'il y a des gens qui sont complètement expatriés de chez eux, qui sont réfugiés et qui de fait se retrouvent dans des camps dans les pays qui sont autour et qui sont eux-mêmes dans des situations invraisemblables. Donc concernant ces discriminations, ça couvre toutes les discriminations. On parle aussi beaucoup des discriminations en direction des enfants. Au niveau du Conseil de l'Europe, ce sont essentiellement des résolutions et des recommandations aux pays qui doivent après les mettre en place. Mais il y a aussi, à un moment donné, on essaie de voir où on en est par rapport à ces résolutions. Et les pays qui ne remplissent pas le pacte qui a été... Là, on est sur un autre pacte, hein, on est sur un pacte humain, qui ne remplissent pas les résolutions, doivent rendre des comptes à l'Europe et peuvent prendre le risque, à un moment donné, d'être exclus du Conseil de l'Europe, ce qu'aucun pays ne souhaite. Si on revient sur quelque chose de plus local, donc il va y avoir effectivement là au mois de mars donc des élections municipales. Et finalement, est-ce que cet échelon communal a encore une pertinence à l'heure de l'intercommunalité? Est-ce que le département a encore une pertinence à l'heure des grandes régions et des grandes métropoles? Quel est votre avis par rapport à ça? On a entendu là pas mal qu'il était question de millefeuille. Enfin, c'est un mot que j'ai entendu là dans la conférence. Alors le millefeuille a été évoqué. Ce que je crois, à mon avis, ce qui est très important, c'est d'essayer de voir quelles sont les compétences de chacun et de rester, de bien cibler les compétences. Je crois que dans aucune réunion où je suis allée, les gens sont attachés à leur commune. Ils y sont très attachés parce que, et encore plus en milieu rural, parce que c'est aussi leur histoire et c'est aussi quand même un lieu où on peut se rassembler, régler des problèmes très locaux. Par contre, ça veut dire que quand on est au niveau de la commune et au niveau de l'intercommunalité, il faut pouvoir s'y retrouver. Et je pense qu'il y a eu une avancée dans la loi qui est importante, c'est le fait de pouvoir flécher, d'obliger à flécher sur les listes municipales quelles seront les personnes qui seront les représentants à la communauté de communes. Et ça, je crois que c'est très important que les gens sachent qui va les représenter à la communauté de communes. Parce qu'il faut avoir des exigences, ça a été dit dans la réunion ce soir ici à Cayssac. Le millefeuille est une chose, mais c'est surtout la gestion locale qui est extrêmement importante. Il ne s'agit pas que chaque élu se fasse plaisir
avec une réalisation, un beau bâtiment ou que sais-je. Ce qui est important dans la communauté de communes ou dans la communauté d'agglomération, c'est de répondre aux besoins. De quoi a-t-on besoin ? Quels sont les moyens que nous sommes prêts à mettre ensemble pour avoir, par exemple, il a été évoqué, le poste des pompiers, l'hôpital. Est-ce que c'est avoir un hôpital pour avoir un hôpital ou c'est avoir un hôpital avec des médecins dedans ? Donc comment on s'y prend ensemble et quels sont les moyens qu'on se donne ? Donc je crois que la question est plus de comment chaque strate est gérée. Le département, par exemple, a une charge importante du point de vue social, de toutes les questions sociales. Si on sortait le département, il faut quand même qu'au niveau local, il y ait cette strate, donc ça peut être les communautés d'agglo ou les communautés de communes, en lien avec la région. Mais attention, le fait de sortir le département n'enlèvera pas le fait que nous avons encore besoin de l'APA et malheureusement du RSA. Et justement, vous parliez donc au niveau médical. Alors, est-ce que pour le coup, parce qu'on voit bien qu'on, voilà, notamment dans les communes rurales et même à Bergerac, qu'on vit un peu parfois hein, l'impression d'être dans un désert un peu médical. Est-ce que un centre, médical municipal ou communal vous semblerait une bonne idée ? Il y a eu des expériences ailleurs par rapport à ça, qui fait que les médecins sont salariés et qui permettent, peut-être à des médecins de venir plutôt que de faire d'essayer de leur trouver un logement ou comme on a déjà entendu quelle serait la meilleure façon de faire venir les médecins sur les territoires. Il y a plusieurs choses. Les meilleures façons, d'abord, c'est, je crois, se mettre autour d'une table et de réfléchir ensemble sur quelle est la situation de notre territoire, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il manque. Et d'associer, bien sûr, à la fois les médecins, mais aussi, tous les citoyens pour qu'ils puissent participer au débat. Ensuite, il y a des élus qui prennent des décisions. À la Linde, j'ai vu un centre médico-social sortir de terre et aujourd'hui, fonctionner, il est plein. Il a été pensé, certainement, avec une réflexion importante et cette idée de réunir les services médicaux, donc qui, eux, sont des indépendants, hein, les médecins, mais aussi des services sociaux sur le même lieu, a peut-être permis, effectivement, que des médecins aient envie de venir sur ce site-là, parce que moins isolé et peut-être aussi parce que ça correspondait, du coup, à un bassin de vie. Et il ne faut pas faire un centre médical si le bassin de vie ne permet pas d'attirer aussi des médecins. Pour attirer des médecins, c'est globalement comment on aménage notre territoire, quels sont les services sur le territoire, mais aussi, donc c'est bien une question d'économie aussi, qu'est-ce qu'on fait pour que notre territoire vive aujourd'hui, demain, qu'il y ait des personnes qui aient de l'emploi, qu'il y ait des personnes qui aient des revenus, qu'il y ait des services, qu'il y ait bien sûr une activité culturelle, une activité sportive. C'est tout ça que regarde un jeune médecin quand il vient dans une ville. Je voulais aussi, je crois qu'on vous doit donc le fait que la gestion en bon père de famille n'existe plus, je ne sais plus dans quelle loi, je me demande si c'est pas sur la loi d'avenir agricole, c'est pas sur celle-ci. Voilà, et on a eu aussi là récemment, il me semble que dans le texte de loi par rapport à l'IVG, il y a eu aussi une avancée. Donc là, que pensez-vous donc de ces évolutions ? Alors, on est sur le même texte de loi, en fait, c'était bien la semaine dernière. Dans le texte de loi égalité hommes-femmes, où il y a eu des choses très importantes dont on a peu parlé, ce texte de loi d'abord visait donc l'égalité hommes-femmes au travail, mais aussi dans la vie en société, donc organise bien sûr les outils pour l'accès au même niveau de salaire entre les hommes et les femmes quand on est sur le même poste, donc ça dans l'administration mais aussi dans le privé, vise aussi à faire en sorte que l'homme et la femme soient à égalité dans la responsabilité vis-à-vis des enfants. Et ça, bien évidemment, ça se pose fortement en cas de divorce, donc qu'il y ait des responsabilités partagées.
et bien sûr la charge financière aussi partagée. Donc c'était quand même l'essentiel de ce texte de loi. Et bien sûr, dans un texte de loi qui vise égalité homme-femme, on essaie de voir qu'est-ce qui est important dans la législation actuelle qui serait important de faire bouger. Alors, vous avez parlé de l'IVG. Dans le texte sur l'IVG, donc, qui remonte à Simone Veil, qui a ce texte à une quarantaine d'années aujourd'hui, ce qui était une grande avancée. Mais il n'empêche que pour faire voter son texte, elle avait été amenée à écrire qu'une femme pouvait avoir recours à l'avortement en cas d'extrême détresse. Aujourd'hui, dans les faits, ce n'est plus vrai, mais certains médecins qui sont contre l'avortement, certains obstétriciens, refusaient de pratiquer des avortements, tout simplement parce que derrière la loi, ils pouvaient dire « mais non, vous n'êtes pas en détresse et donc je ne le pratique pas ». Donc aujourd'hui, nous avons permis, et il y a eu un débat important, effectivement, il y a eu beaucoup de prises de parole, dont certaines, on se demande d'où on sort, on a l'impression de retomber je ne sais pas où et quoi. Dans la rue aussi, hein, en ce moment. Oui, dans la rue aussi, d'ailleurs. Je crois qu'il était important que dans ce texte de loi, on dise qu'une femme a le droit de recourir à l'avortement, que c'est un droit d'user de son corps, et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des femmes qui mettent au monde aujourd'hui encore des enfants, alors qu'elles sont en situation où elles ne l'ont pas souhaité. Donc même sans être en grande détresse, avoir un enfant sans l'avoir souhaité, ça n'est jamais très bon. Ni pour la mère, ni pour l'enfant, ni pour la famille en général, donc quelquefois aussi pour le père de toute façon. Ça, effectivement, cet amendement qui visait à sortir cette expression a été adopté. Et puis, juste derrière, justement, dans ce texte-là, j'avais un amendement, moi, qui visait à supprimer dans le code rural et dans le code de l'urbanisme, mais pas seulement, dans le code de la famille aussi, l'expression « gérer en bonne père de famille ». C'est quelque chose qui m'a heurtée depuis que j'ai dû signer des contrats, que ce soit des contrats de fermage, mais même pour signer un contrat de tutorat par rapport à une personne, j'ai accepté d'être tutrice, où je m'engageais à gérer ses biens en bon père de famille. En tant que femme, j'étais heurtée. Et puis, qu'on soit clair, ça veut dire quoi ? Gérer un bon père de famille, moi j'ai connu des gestionnaires, de très bons gestionnaires d'entreprise, qui ne sont pas de très bons pères de famille, parce qu'ils ont peut-être abandonné femme et enfant. Ça ne les empêche pas d'être des bons gestionnaires. Et l'inverse est possible aussi. Donc je souhaitais, moi, qu'on n'associe pas le nom de bon père de famille à la notion de gestion. Et puis ça avait l'air de dire que la mère de famille, elle, ne serait pas capable de gestion. Donc voilà. Alors juste un petit mot de conclusion. 14 personnes, vous n'êtes pas trop déçues ce soir ? Ah, pas du tout. Je dirais que c'est le nombre moyen. Hein. J'ai eu peut-être au Buisson, il y avait une vingtaine de personnes. J'ai eu souvent entre 15 et 20 personnes dans les réunions, dans ces réunions locales que je fais. Je crois qu'à Port-Sainte-Foy, nous étions 10. Mais alors, non, pas du tout. Quand je venais pour des permanences rencontrer les personnes qui avaient demandé un rendez-vous, eh bien, il m'arrivait sur une heure de permanence de ne rencontrer absolument personne parce qu'ils n'avaient pas l'information. Donc 14 personnes, vous les avez comptées, moi je ne l'avais pas fait, c'est très bien. Ce sont 14 personnes qui ont envie de venir dialoguer avec leurs députés, qui vont sûrement en parler, soit dans les conseils municipaux, soit dans la rue, vont dire « je suis allée à la réunion de la députée et voilà ce qu'elle a dit ». Ça donnera peut-être envie à d'autres, peut-être pas celle-ci parce que peut-être la prochaine fois elles ne pourront pas venir aussi, mais c'est décentralisé, donc j'en fais une tous les 15 jours, je n'attends pas à avoir 200 personnes tous les 15 jours, absolument pas, ce n'est pas une conférence. Merci. Voilà, merci à vous.